Les élections au Togo. Pour comprendre le système électoral au Togo, il faut se référer à la période coloniale, notamment en 1946. Le Togo, qui était sous mandat de l'ONU, est administré par la France. En octobre 1946, on adopte de nouvelles institutions politiques pour le Togo et notamment une représentation parlementaire. Mais c'était quoi l'échiquier politique à ce moment? L'échiquier politique était dominé par quatre partis principalement. On a le CUT, Comité de l'Unité Togolaise. C'est un parti d'aristocrates, de chefs et de notables recrutés du sud au nord du pays, sans exception. Le CUTS a pour allié la Juvento. La Juvento, c'est l'acronyme de Justice, Union, Vigilance, Éducation, Nationalisme, Ténacité, Optimisme. Juvento. À la base, c'était la section jeunesse du CUTS. C'est des jeunes qui ne voyaient pas dans l'action de leur parti du CUTS une solution rapide. Vous savez que les jeunes sont souvent impatients, ils veulent aller vite. Mais ils sont des alliés. Ils ont pris leur autonomie, mais ils sont alliés au CUTS. Ils travaillent toujours avec le CUTS. Ça, c'est les deux partis qui forment le bloc nationaliste. Bien. En face de ce bloc, donc de ces deux partis, il y a le PTP, Parti Togolais du Progrès. Le PTP est un allié de l'UCPN, Union des chefs et des populations du Nord. C'est le gouverneur français Yves Digot qui a créé l'UCPN, donc Union des chefs et des populations du Nord. Son prédécesseur, Jean Sédi et lui-même ont mis de grands moyens à la disposition du PTP et du UCPN. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a deux blocs. Un bloc qui est collaborationniste, qui est pro-français et qui prêche pour une autonomie progressive. D'accord? Il ne veut pas se séparer de la France, il veut toujours dans la communauté française avec une autonomie, d'accord. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le PTP, Parti Togolais du Progrès, et l'UCPN, l'Union des chefs et des populations du Nord, sont soutenus et financés par la France, par l'administration française. Donc ça, c'est un bloc. En face, donc, il y a le CUTS, Comité de l'Unité Togolaise, et la Juvento, donc des alliés qui eux réclament une indépendance immédiate. Bon, donc comme j'ai dit tout à l'heure, en octobre 1946, le Togo adopte de nouvelles institutions politiques, dont une représentation parlementaire. Et il y a eu de 1946 à 1958 une dizaine d'élections. Donc, élection à l'Assemblée représentative du Togo, ARP, dont Sylvanus Olympio est le président. Élection législative française, remportée par Dr. Martin Akou du CUT, toujours. Donc, après cette victoire, les premières victoires des nationalistes, l'administration coloniale décide de brouiller les règles, de changer les règles du jeu, de bidouiller les élections. Donc, première étape, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont élargir le fichier électoral. Ouais, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, la question du fichier électoral. Donc, ils vont commencer par élargir ce fichier-là. Mais comment ils vont faire pour que ça leur profite? Ils vont inscrire de nouveaux électeurs dans les zones où ils pensent que ces zones-là leur sont acquises. Donc, comme
leurs alliés, c'est le PTP, c'est l'UCPN, l'Union des chefs des populations du Nord. Donc, ils vont inscrire massivement des électeurs du Nord, des électeurs de la campagne, parce qu'ils savent que dans les villes, et les élections, les électeurs soutiennent plutôt le CUT. Donc, vous voyez aujourd'hui, quand vous comparez le fichier électoral actuel et la façon dont on a réparti la carte électorale, vous voyez bien que c'est la même chose qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 1946, on avait 7946 inscrits sur le fichier électoral. Donc, 3 ans plus tard, en 1949, ça passe à 12891. Un an plus tard, donc en 1950, on va passer à 16220. Un an encore plus tard, en 1951, ça va passer à 28580. En 1952, ils vont faire passer le fichier électoral à 50870 inscrits. En 1955, on a 190664 inscrits. Et en 1956, c'est 437459 inscrits. Donc, systématiquement, tous les nouveaux inscrits sur le fichier électoral sont de la campagne, sont du Nord. Vous voyez bien que c'est exactement ce que le régime de Faure est en train de faire en ce moment. D'accord? Face à cette manipulation des élections, quelle sera la réaction des nationalistes? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, ils ont systématiquement boycotté toutes les élections de 1950 à 1956. Du moment où l'administration coloniale truquait systématiquement les élections en faveur des candidats de l'UCPN et du PTP, le bloc nationaliste a systématiquement aussi boycotté les élections. Vous voyez, ils ont boycotté les élections. Bien. Mais à côté de la stratégie de boycott, ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont concentré leur énergie sur le point faible de la France à l'époque. C'est ça, en fait, la grande stratégie. Ce n'est pas toujours le pouvoir qui va jouer au tam-tam et nous, on va danser. Mais c'est à nous maintenant aussi de jouer du tam-tam, ils vont danser. D'accord? Donc, ils se sont concentrés sur le point faible de l'adversaire de la France en ce moment. Et ce point faible, c'était quoi? C'était simple. C'était que le Togo était sous mandat de l'ONU et donc on n'était pas une colonie à proprement parler. Et donc l'ONU avait un droit de regard sur ce qui se passait au Togo et les Togolais avaient le droit de faire des pétitions. Ils adressent une pétition à l'ONU et l'ONU peut prendre des mesures. Et Dieu merci. En 1957, donc après le boycott d'une dizaine d'élections, la stratégie va porter ses fruits. Oui, l'ONU va adopter le principe d'une mission d'évaluation au Togo. Et cette mission, finalement, est conduite par l'ambassadeur Charles King du Libéria. Donc, ça a eu lieu de mai à juin 1957. Il y a eu l'ambassadeur du Libéria, Charles King, qui est venu au nom de l'ONU voir ce qui se passe, évaluer la situation politique au Togo. Et donc, c'est sur ça que les nationalistes comptaient. Et donc, au moment de la mission, les nationalistes vont amplifier la pression sur l'administration coloniale. Ils vont organiser plusieurs manifestations pendant le séjour de la mission au Togo. Et c'est comme ça que le CUT en profite pour remettre un mémorandum réclamant l'organisation des élections sous la supervision de l'ONU. Il y a beaucoup de spectateurs qui regardent nos vidéos mais ne sont pas abonnés. Si vous êtes dans le cas, abonnez-vous à la chaîne. Ça fait du bien. C'est un signe d'encouragement. Merci pour ceux qui sont abonnés.
Thank you.